donner l'abscisse du point bleu sous forme fractionnaire et sous forme décimale. Alors là, on a une droite graduée, on a le segment entre 0 et 1, et euh, ce segment-là, il a été divisé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Et le point bleu, il est situé ici à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 graduations après le 0. Donc en fait, ce point-là, il représente 7 graduations sur les 10. Donc on va l'écrire comme ça sous forme de, de fraction, c'est 7 sur 10. Alors du coup, la forme décimale, eh bien, est, ce qu'on a c'est 0 unité, donc je mets un 0 et une virgule, et puis 7 dixièmes, 7 parties sur les 10, donc je mets un 7. Voilà, on va voir si c'est bon. Voilà, on en fait encore un. Alors ici on nous dit, on considère ce carré comme unité, écrire l'air de la surface colorée sous forme fractionnaire et sous forme décimale. Alors, je vais remonter un petit peu. Donc on a ici un carré qui est divisé en petites parties. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes. Donc en fait, il y a en tout 10 fois 10, c'est-à-dire 100 petits carrés. Donc chaque petit carré représente 1 centième en fait. Alors on va compter maintenant combien on a colorié de petits carrés. Il y en a deux lignes ici de 10, donc ça fait 20, plus celui-ci, ça fait 21. Donc la fraction qui est colorée, en fait, c'est 21, 21 centièmes, donc 21 parties sur les 100. 21 sur 100. Alors maintenant, pour trouver la forme décimale de ce nombre, eh bien, tout simplement on va le lire. J'ai 0 unité. 0 unité. Et puis 21 centièmes, donc je vais l'écrire comme ça, 0,21. Voilà. Alors, une petite remarque hein, ici, on, quand on écrit 0,21, en fait on écrit 0 unité, 2 dixièmes et 1 centième. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qui est colorié ici, puisque chaque ligne ici représente 10 centièmes, et 10 centièmes, c'est 1 dixième. Donc on a ici 1 dixième, un autre dixième, c'est nos deux dixièmes qui sont là, et puis 1 centième qui est ici. Allez, on en fait encore un ou deux. Donnez l'abscisse du point bleu sous forme fractionnaire et sous forme décimale. Alors, ici, on a une partie de la droite graduée entre 0 et 3 dixièmes. Donc, ça, c'est 1 dixième, 2 dixièmes et 3 dixièmes. Et puis, ensuite, si tu regardes bien ici, la partie entre 0 et 1 dixième, on l'a divisée en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties. Donc, chaque partie ici représente 1 dixième de 1 dixième, c'est-à-dire 1 centième. Et puis ici, c'est pareil, on a divisé cette partie-là entre 1 dixième et 2 dixièmes en 10 parties. Et puis cette partie-ci, entre 2 dixièmes et 3 dixièmes en 10 parties aussi. Alors le point bleu, il est ici, donc il est à droite de 1 dixième, ce qui veut dire qu'il est plus grand que 1 dixième. Et il est plus grand de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 centièmes. Donc ce nombre-là, ça va être 1 dixième plus 9 centièmes, alors, évidemment, quand je dis 1 dixième plus 9 centièmes, en fait, je n'exprime pas le nombre sous forme d'une fraction. Hein. Donc, pour le faire, il faut que je compte en fait le nombre de centièmes que j'ai à partir de 0. Donc, là, j'en ai 10 ici, plus les 9 qui sont là. Donc, en tout, j'ai 19 centièmes. Et 19 centièmes, c'est une fraction. Donc, c'est le résultat que je vais mettre ici. L'abscisse du point bleu, c'est 19 centièmes. Alors. 19 centièmes, on peut l'écrire tout de suite, c'est 0 unité et 19 centièmes que j'écris comme ça. Et effectivement, là encore, c'est cohérent puisque on a 0 unité, 1 dixième, qui est ce dixième là, et puis 9 centièmes ensuite. Donc on va voir si c'est bon. Voilà. On va en faire encore un. On considère ce carré comme unité. Écrire l'air de la surface colorée sous forme fractionnaire et sous forme décimale, exactement comme tout à l'heure. Donc là, on a un carré qu'on va considérer comme unité. Et puis on l'a découpé en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parties égales. Et la partie colorée, elle représente 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties sur les 10 parties totales. Donc en termes de fraction, on a colorié en fait 6 parties sur les 10. Donc la fraction, c'est 6 dixièmes. 6 dixièmes. Et puis la forme décimale de, de ce nombre-là, 6 dixièmes, eh c'est 0 unité. Et 6 dixièmes, 0,6. On va voir si c'est bon. Voilà!